J'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie. Dites-moi tout de suite dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle radio tricot. Comme d'habitude, je prends le chat. Bonjour Marilyn, Claudine, Stéphanie, euh, Patricia. Euh, Elisabeth, Christelle, Sophie, Stéphanie, Louise, Sophie, Cass, Mar Marie, Christiane, bonjour, bonjour, bonjour. Angela, Marilyn, Claudine, Odile, bonjour, Christelle, Nathalie, Claudine, bonjour, bonjour, bonjour. Euh, Peggy, Guada, Marie-Ange, Odile, Lydia, Diane, André, Karine, Antoinette, Lydic, Dali, etc., etc. Je ne peux plus toutes et tous vous citer, mais bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver du coup pour ce moment du dimanche. Bonjour à tout le monde. On me dit 5-5, magnifique. Euh... Salut Sylvie, Julie, Louise, André. Alors, c'est la dernière alors Non, c'est pas encore la dernière. <laughs> Je sais, il reste. Euh, il me semble qu'il reste encore deux radios. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors, on me demande des nouvelles de Petite Lyonne. Petite Lyonne va bien. Elle s'est réveillée euh, pile quand on allait commencer. Donc, <laughs> donc euh, Petite Lyonne va bien. Euh, tu as réussi à n'en trouver que quatre. J'ai dû en dire beaucoup plus. Mais non! <laughs> D'ailleurs, on va commencer tout de suite. C'est euh, un titre un peu, euh, comment dire, euh, qui, qui peut peut-être choquer certains ou certaines, mais je vous rassure, il n'y a aucun reproche qui va être fait. C'est juste plus pour discuter et euh, échanger sur les différents euh, points de vue, on va dire, qui pourrait y avoir euh, sur ces sujets-là. Donc, pas d'inquiétude, on ne juge personne. Personne ne va être, euh, ne va être tapé durant cette arrête de tricot. Donc, pas d'inquiétude, voilà, c'est vraiment... Euh, on prend ça sous le plan de l'humour, c'est léger, on va se détendre un petit peu. Enfin, voilà, c'est pas de panique, pas de panique à bord. Euh, allez, on continue. Alors j'allais dire même, on va enchaîner avec notre intro, comme d'habitude. Notre sublime intro. Euh, alors, intro du jour. On va commencer par les tricotés virtuels qui se poursuivent nous sommes le euh, dimanche 28 août le prochain euh, tricoté virtuel aura lieu le 31 août, donc mercredi 31 août à 14h heure française pour le tricoté d'après-midi et euh, le vendredi du coup 2, août, euh, 2 septembre pardon 2 septembre à 21h heure française, on passe sur un nouveau mois, on est en pleine transition sur un nouveau mois euh, mais les tricotés virtuels bien sûr continuent, se poursuivent malgré la rentrée, donc euh, si euh, vous avez envie d'aller faire un petit tricoté Virtuel, vous pouvez y aller. Euh, je sais qu'en ce moment il y a plein de tricotés virtuels qui se font, qui sont euh, pas des tricotés officiels, qui sont pas prévus. Donc euh, restez à l'écoute sur le Discord, il y en a plein en ce moment qui ont lieu. Donc euh, si vous avez envie d'une petite papote, vous avez juste à dire dans le salon euh, papote vocale, hey, ça vous dit une petite papote, et euh, on se fait un petit tricoté virtuel. Euh, ensuite, on continue avec euh, qu'est-ce qu'on faisait il y a un an Eh bien il y a un an, oh Bouddhi Déjà il y a un an, on faisait euh, les vidéos Mon tricot roulotte, que faire Donc que faire par exemple lorsque le jersey roulotte. Qu'est-ce qu'on peut y faire Est-ce que c'est dur Est-ce que c'est euh, euh, difficile de s'en débarrasser Comment faire pour s'en débarrasser etc, etc. Et on avait une des premières radios tricot du coup sur... Les euh, designers, donc la première radio tricot sur les designers, il me semble qu'on avait vu ensemble du coup les quatre secrets d'Andrea Mori et c'était une radio qui vous a bien plu. Déjà, oh là là, que le temps passe vite. Ensuite, passons au live créatif de cette semaine. Cette semaine, nous avons vu les 6 secrets du Moher. Bon, je crois qu'il y en avait un peu plus que 6, hein, comme d'habitude. Mais bon, <laughs> au-delà de ça, <laughs> au-delà de ces 6 secrets, qui en fait, il y en avait un peu plus, des 6 secrets du Moher, Donc, ça, c'était le live créatif de euh, cette semaine, que tu as peut-être raté, euh, mais que tu peux retrouver dans l'espace membre Créanote, si tu fais partie des Créanotes, of course. Et du coup, la semaine prochaine, pas de live créatif! Voilà, pas de live créatif, fin de l'histoire. Non, je blague, il y a un live créatif. Oui, bien sûr, il y a un live créatif. Normalement, vous le savez, euh, on s'était engagé sur 4 lives par mois. 4 lives créatifs par mois. Donc normalement, il n'y aurait pas dû y avoir de live créatif. Mais, comme euh, on vous aime très fort avec Matou, on a prévu un petit live bonus qui va faire une transition perfecto parfaite sur le euh, projet du mois de septembre, et nous allons voir dans ce live bonus comment designer une couronne de bonnet Rendez-vous donc mardi 30 août à 15h, heure française, pour ce magnifique sujet Et coucou petite Liane, comment ça va <laughs> Elle me fait un dos, j'avoue, un sacré dos Ah ça y est, coucou <laughs> Donc Petite Lyon est à ma gauche avec Matou qui vient de me rejoindre également. Et qui dit coucou. Donc voilà, rendez-vous du coup mardi prochain euh, 30 août à 15h heure française pour apprendre à designer ensemble une couronne de bonnet. Ça va être super live avec des calculs comme elle est Madeleine. Euh... Alors ensuite, ah oh mais oui, mais pour pouvoir rater les prochains lives créatifs, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on rejoint le télégramme de jnl. Ça te permet d'être tenu informé, c'est 100% gratuit et ça fonctionne comme des SMS. Et ça te permet de recevoir du coup les liens des lives créatifs pour ne rater aucun direct. Euh... J'essaierai de partager de temps en temps en plus... Euh... Du contenu sur le Telegram, je sais que je l'avais dit et je pense que je le ferai. Je ne sais pas quand, mais je, je vais le faire. Euh, donc, euh, si c'est le cas, en tout cas, clique bien sur rejoindre pour rejoindre le canal et être tenu informé du coup de toutes les infos et du contenu qui sera partagé sur cette plateforme. Euh... Plum, plum, plum. Je prends le chat rapido prestato. <laughs> on te sait bienveillante, on ne s'inquiétait pas du contenu de cette radio tricot. Bon, je préfère être sûre, hein. je le dis quand même, même si c'était une évidence. Euh, voilà, <laughs> on préfère le dire. Ah, Ciz qui a une excellente info pour les Québécois et Québécoises qui nous écoutent, les triconautes Québécois et Québécoises qui nous écoutent. Fenty sera disponible au, au Québec à partir de cet automne. Sur la boutique Etsy de Lolubiz. Voilà, l'info est donnée. Je ne sais pas qui est Lolubiz, mais l'info est donnée. Alors, le live créatif va être super. Oui, il va être génial. Euh... Bien, bien, bien. Pensez aux pouces, dit Del Posen. Yes, pensez aux pouces. Euh... Alors, on va continuer avec. Nos triconotes ont du talent et on a reçu beaucoup de talent cette semaine. Regardez-moi les magnifiques bons que nous avons reçues cette semaine. Donc, nous avons reçu plusieurs étoiles Marie-Jeanne qui, qui sont en cours et qui sont sublimes. Regardez-moi, euh, du coup, les magnifiques réalisations de Christelle avec deux L et un E et de Christelle avec un L. <laughs> euh, donc, les étoiles marie de Christelle et Christelle. Euh, Christelle qui nous fait une magnifique étole toute blanche. Alors pour le coup, on est sur du super nuage. Ça a l'air super doux. Le point est trop trop beau. Et Christelle qui nous le fait avec un gris irisé, euh, gris orage magnifique. J'adore, c'est trop 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 joli. On a aussi reçu euh, des chaussettes, des magnifiques chaussettes de euh, Maribé et Christelle. Euh, donc Marie-B qui a fait euh, des nouvelles chaussettes depuis, entre temps, hein, déjà, hein, vous vous souvenez de Marie-B elle est passée la semaine dernière. Mais regardez comme elle est super vite, elle a fait une autre paire de chaussettes, toutes grises cette fois. Et Christelle a fait une paire de chaussettes pour son euh, homme, toute rayées, toute longue. J'ai envie de dire, il y en a un qui va être content cet hiver hein. Donc magnifique réalisation, bravo à vous. Et enfin, on a reçu également les mitaines de. Enfin, euh, oui, c'est ça, les mitaines de euh, Maïta, qui a utilisé la formation Tricot Secret, qui est la formation Tricot à 1€ pour les débutants et qui te permet de commencer à tricoter tes premiers modèles. C'est super. Elle est trop cool. Elles sont trop cool, ces mitaines. Bravo Et prête en plus pour l'hiver, là. Hein Belle couleur, matou ah, Oui. Euh... De toute façon, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de sottises. Et ça, c'est bien vrai. Euh, en tout cas, un grand merci à toi qui, personnellement, m'a donné envie de me mettre au tricot. Eh bien, merci Garance, ça me fait plaisir. On tricote un bonnet en septembre On en parlera peut-être pendant le... le moment V.I.T, Matou Matou, il fait comme ça. Donc, on verra. Coucou Mamoko qui nous a rejoint en direct. Donc bravo à toutes celles et ceux qui ont fait, euh, qui nous ont partagé leur magnifique réalisation. C'est trop beau. Allez, on va démarrer, euh, on va démarrer du coup notre radio tricot et on va commencer par la première sottise que j'ai entendue. C'est pas besoin de euh, bloquer le tricot. Alors pourquoi, euh, pourquoi c'est on va dire, euh, une... pas une erreur, mais c'est problématique de penser ça <laughs> Pas problématique, mais c'est mieux de bloquer son ouvrage. Pourquoi c'est mieux de bloquer son tricot Le blocage, déjà, qu'est-ce que c'est qu'esaco, euh, est-ce que ça se mange Le blocage, c'est la dernière étape de tricotage d'un projet. C'est une étape qui est d'ailleurs souvent oubliée par un grand nombre de triconautes qui... En fait, tout simplement, ne connaissent pas cette technique. Une fois que tu as rabattu l'émail, donc terminé l'ouvrage de A à Z, tu estimes peut-être que l'ouvrage est terminé, que le projet est fini, et ce n'est pas le cas. Pour le terminer, il va falloir le bloquer. Donc le bloquer, c'est-à-dire le finaliser. Donc le blocage se fait avec différentes façons. Tu as le blocage humide donc on va lui faire prendre un bain à ce tricot on va l'épingler sans trop l'étirer bien entendu on va l'épingler doucement pour lui donner une belle forme pour déployer la dentelle aussi par exemple etc etc je vais vous donner des exemples où vous allez voir il y a des avant après qui sont absolument euh, monstrueux et, et vous allez dire ah oui c'est quand même il euh, y a rien à voir entre le avant blocage et le après blocage donc un tricot non bloqué, c'est un tricot qui n'est pas terminé. Pourquoi Parce qu'il risque d'avoir des plis un petit peu disgracieux. C'est normal, lorsqu'on tricote, on tient le tricot, on le plie, on le froisse, et parfois, ben tout simplement, on va le laisser dans un sac, enfin, il va y avoir des plis qui vont se former, et c'est quelque chose qui se produit tout à fait naturellement lorsque l'on tricote. Et parfois ces plis sont ben, pas très bien placés, et ça va vous donner cette impression un peu de tricot froissé, qui n'est pas très très joli. Euh, en plus, un tricot qui n'est pas bloqué, c'est un ouvrage qui sera potentiellement trop petit. Euh, surtout si, par exemple, tu enchaînes directement sur les coutures. Il n'aura pas la bonne taille finale et normalement, il y a la taille finale plus les coutures si tu dois faire les coutures. Mais ça fonctionne même sur un pull en rond, tricoté en rond aussi. Euh, si on ne le bloque pas, le projet risque aussi d'être trop petit. Un, un ouvrage qui n'a pas eu de blocage, c'est enfin un ouvrage qui risque d'avoir des variations de tension. On n'est pas des machines, vous le savez bien, nous sommes des humains. Euh, donc euh, lorsque l'on tricote, on a toutes et tous de légères variations de tension. Ça arrive, c'est pas grave, et souvent ces légères variations de tension peuvent être corrigées avec un bon blocage, parce que ça va euh, comment dire. répartir la tension plus proprement sur tout le tricot. Et, euh, et souvent, en fait, ces variations de blocage sont visibles, quand même un petit peu. Et ça, le blocage va permettre d'aplanir tout ça, de réharmoniser tout ça. Donc, je vais vous montrer quelques photos avant-après. Euh, je, je suis allée euh, sur Internet et je suis allée sur le Discord parce que Sand nous avait fait un magnifique avant-après. Donc, Sandrine, je ne sais pas si c'était là dans le chat, euh, la maille à gauche, qui est une de nos supermodos. Elle avait fait le Starflake de euh, Stephen West. Et elle nous a fait justement un avant-après blocage. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. C'est euh, édifiant. Donc je vous ai préparé euh, la photo. Elle est là, donc le avant-après, donc avant-blocage, vous voyez, le châle il est un peu recroquevillé, il est un peu froissé, il euh, y a des endroits où ça fait un peu des plis, etc. Et regardez-moi après, mais bon sang, de bonsoir, ça n'a rien à voir. <laughs> il est bien propre, bien étalé, bien déployé, il est bien grand, alors que là on dirait qu'il est tout rabougri, tout comme ça, comme ça. Et là, ouah, papillon, papillon qui sort de sa chrysalide. Donc ça a vraiment a rien, rien à voir. Autre élément, par exemple sur la dentelle. Euh, alors on me demande souvent qu'est-ce que ça veut dire déployer la dentelle. Donc regardez bien, j'ai une photo que j'ai trouvée euh, dans un vieux livre, il me semble. Vous avez une photo avant/après, avant blocage, après blocage d'un point de dentelle. Donc c'est un point de dentelle vertical et pareil, vous le voyez au début. Vous avez des jetés qui sont tout petits, rabougris. On les voit à peine. On voit à peine le motif. Et à côté, waouh, comme une fleur qui s'épanouit. On a enfin le motif qui se dévoile complètement. Et ça a rien à voir. Donc comme ça, je le dis souvent, ça déploie la dentelle. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, les jetés, ils sont grands ouverts. Euh, vous avez vraiment le motif qui est là. On le voit. Il est présent. Il n'est pas tout, pff, tout rabougri comme ça. Donc vraiment, choup Vraiment, vous, vous, ayez cette image de soit fleur qui éclot, soit papillon qui sort de sa chrysalide. Mais vraiment, pour moi, le blocage, c'est vraiment, vraiment ça, en fait. Vous avez vraiment une différence avant-après qui est effarante. Et vous avez vraiment un euh, déploiement de votre tricot. Vraiment, vous avez avant, le tricot, il est sympa. Mais il euh, y a des petits trucs... Euh, voilà, c'est... Voilà. Et après, à côté, vous avez le après. Waouh Rien à voir extraordinaire, modèle extraordinaire. Enfin bref, ça fait ressortir le motif, c'est extra. Euh, alors, bonne nouvelle, du coup, le blocage, c'est une technique qui va devenir très vite, si vous le faites et si vous le commencez, une seconde nature. Et oui, parce qu'une fois que c'est fait, hop, ça y est, on a compris, paf, ça devient bien, ça devient un automatisme. En plus, autre bonne nouvelle, le blocage se fait généralement une fois. Pas besoin de bloquer son tricot à chaque lavage, parce que je reçois qu'est-ce qu'il y a tu veux parler Tu veux dire un truc sur le blocage Oui, tu, là, tu me souris là. <laughs> le blocage, il se fait une seule fois. Pas besoin de bloquer ton tricot à chaque lavage. Une fois, ça suffit. Euh, alors, pourquoi le blocage aussi Alors, j'ai un truc que j'avais reçu une fois. C'était une personne qui me disait, ouais, mais le blocage, c'est un truc, c'est une nouvelle tendance. Moi, ma grand-mère, elle n'en faisait pas et c'était très bien comme ça. Alors, et là qui voilà, inspecteur Jaenel, da da pou, pou. Euh, Bien sûr, j'ai pris cela au pied de la lettre, et j'ai fait mes recherches. Comment ça, c'est une nouvelle tendance ouais. hmm. Allons vérifier ça Watson Alors, j'ai sorti la loupe, et regardez-moi euh, ce que j'ai trouvé d'une photo qui est au, euh, exposée au Shetland Museum. Si vous y allez, allez y jeter un coup d'œil. Regardez-moi ça. Ah ouais, ah ouais c'est vachement une nouvelle lubie. Euh, alors, les preuves, les voici. En effet, le blocage, cette photo remonte aux années 1900-1800 des brouettes. Donc du coup, ça montre très bien que euh, le blocage n'est pas une nouvelle lubie, une nouvelle tendance du tricot moderne. Non, non, c'est vraiment quelque chose de sérieux euh, qui remonte à bien longtemps. Parce que là, ce que vous voyez, c'est un système de blocage. Et oui, il était utilisé ici pour bloquer la dentelle Châtelande, mais il était aussi utilisé bien avant pour bloquer les ouvrages en dentelle des châles Donc, petit rappel historique, juste comme ça, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, les châles ils sont nés il y a 250 ans. 250 ans. C'est pas une nouvelle lubie. Ça remonte à 250 ans. Donc ces grands cadres de bois, en fait, correspondent à nos plaques de blocage actuelles. Et ils étaient utilisés, comme vous voyez, pour vraiment étendre le petit châle au maximum pour avoir du coup toute la dentelle qui se déploie à son maximum. Donc le montage est plus qu'utile et nos arrière grand mères au moins l'utilisaient. Voilà, voilà! Je prends le chat. Alors, je prends le chat et les questions, parce que je vois qu'il y a des, des questions aussi. Alors, doit-on bloquer l'ouvrage après chaque lavage? Non! Du coup, Véro et Sylvie qui ont posé la même question, non, <laughs> pas besoin. Tu le fais parfois quand tu as, tu vois de temps en temps, par exemple, que ton châle commence un peu à se détendre, à se tordre un petit peu, que ton gilet commence à pendre d'un côté de manière pas très jolie, ou à se déformer un petit peu, hop, un petit blocage, et fou, ça lui redonne un petit peu de chouf, un petit peu de peps. Quand on fait un châle avec de la dentelle, c'est clairement une erreur de ne pas le bloquer. C'est pas moi qui le dis, c'est Catherine. <laughs> enfin, Catherine chère, pas Catherine Catherine. <laughs> Mais non, c'est pas de toi qu'on parle, petite conne. Après la fin de la radio tricot, est-ce qu'on retrouvera une rubrique Nos tricot ont du talent autrement dans un mail peut-être On y réfléchit Dali, t'inquiète pas. Mais on va y réfléchir. Je note l'idée du mail, c'est une bonne idée. Ah le blocage, c'est incroyable depuis le temps qu'on le dit. <laughs> J'ai bloqué mon châle Range de Maori, rien à voir avant et après. Ah oui. C'est utile de bloquer un ouvrage en acrylique Non, pas besoin. L'acrylique c'est le seul fil que vous avez pas besoin de bloquer parce que vu que c'est du plastique. Ça reprend sa forme, donc en fait c'est totalement inutile de bloquer l'acrylique. Vous bloquez tous les châles qui sont en fibre animale, et vous bloquez... Enfin tous les châles. Vous bloquez tous les projets qui sont en fibre animale, donc laine, alpaga, tout voit, etc. Et en fibre végétale. J'adore l'étape du blocage, c'est la magie de la laine qui se révèle. Euh... Depuis que je t'écoute, je fais des échantillons et je bloque quasi systématiquement. Ça c'est cool. C'est impressionnant la différence. Hein. Je ne pensais pas que c'était aussi flagrant. Mais comme quoi, parfois, hein, avant-après, ça aide bien. Hein. Michel qui dit, moi qui ne bloque jamais, j'ai compris. Quelle différence. Alors, est-ce qu'un pull tricoté... Oh, flûte, ça a sauté. Est-ce qu'un pull tricoté avec 80% acrylique et 20% soie doit être bloqué 80% acrylique, t'as quand même beaucoup, beaucoup d'acrylique. Tu peux tenter, mais je suis pas sûre que tu vas avoir vraiment une différence de malade, pour le coup. Ce sont des nappes ou des couvertures Non, ce sont des châles. <laughs> Alors, certains trouvent le blocage de Blocheuse être superflu. J'en suis. J'en suis, je trouve le blocage de chaussettes superflu parce que ça se bloque sur tes pieds. Et c'est bien plus adapté, parce qu'en fait, les le problème des bloqueurs de chaussettes, ce sont des bloqueurs standards. Donc, c'est-à-dire, ça va avoir une forme standard, et si ton pied, il a un coup de pied un peu plus fort, si ton pied, il a, euh, par exemple, je sais pas, une petite bosse à un endroit, si tu as, si as les chevilles qui sont un peu, creu un peu plus creuses, etc., ben, le bloqueur, lui, il est sur sa taille standard. Donc, en fait, comme il est sur sa taille standard, ben, toi, tu vas te retrouver avec, en fait, un. Euh, des chaussettes qui sont beaucoup trop larges à certains endroits alors qu'elles ne devraient pas. Donc c'est bien mieux de bloquer directement sur tes chaussettes parce que ce sont les meilleurs bloqueurs de chaussettes du monde. C'est adapté à tes pieds, littéralement. Euh... Bonjour, comment bloquer la dentelle sur les manches euh, Avec des plaques de blocage et des, des aiguilles, j'ai un article hyper complet sur le blocage et j'ai aussi une vidéo sur le blocage, Matou, est-ce que tu peux la partager Matou va partager ça. Peut-on bloquer une écharpe après plusieurs années euh, Oui. Je pense. Faut pas y aller. Alors attention, juste, juste un petit trigger warning. Attention à ne pas surbloquer. Quand je dis surbloquer, c'est-à-dire, j'en avais parlé dans, un, dans le dernier live créatif. Surbloquer un tricot, je vais prendre. Je vais prendre la layette de Catherine ici. Voilà. Euh, vous, vous avez un tricot. Et c'est quand vous faites sur votre tricot, vous faites ça. Voilà. Quand vous surbloquez votre tricot, vous allez l'abîmer. Donc vous le tirez beaucoup trop. Et comme vous voyez, là, il y a un motif très joli sur cette robe. Il y a un très joli motif texturé sur cette robe. J'essaie de pas trop bouger. Voilà. Il y a un joli motif texturé, vous ne le voyez pas bien, mais vous voyez qu'il y a différentes textures. Et si je tire, 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 tire beaucoup trop... Eh bien en fait, ça va abîmer complètement la texture. Donc lorsque vous bloquez un ouvrage, attention à ne pas surbloquer le tricot parce que vous allez l'abîmer aussi. Donc il faut vraiment, quand je dis bloquer, vous étirer doucement. Voilà, pas trop, vous étirez un peu. Parce que par exemple, si vous surbloquez, ça peut aussi faire complètement disparaître des torsades aussi. Ça peut faire disparaître complètement une texture, etc. etc. Et c'est plutôt dommage. Bonjour, on est obligé de bloquer avec des épingles ou juste les tirer avec les mains Surtout pas les tirer avec les mains Surtout pas Non, non, avec des épingles doucement. Tu as des épingles comme ça, qui s'appellent des épingles en T. C'est très pratique, ça coûte rien du tout. Et tu utilises ça pour bloquer. Voilà. Tu utilises ça pour bloquer. Et là, t'es nickel. Vous avez aussi des peines de blocage. Enfin, vous avez plein de systèmes. Mais euh, les... Je vais lui faire du lait. Merci. Et vous avez aussi les épinglantés, du coup, qui sont comme ça. Euh, donc les miennes, juste pour info, elles viennent de chez Knit IQ. Elles ont été euh, livrées avec mes plaques de blocage. Qui sont ici aussi. C'est très pratique parce que j'ai tout sous la main. <laughs> Je vais essayer de sortir ça. Voilà, hop, je vous sors ça, j'arrive. Voilà, hop. Les plaques de blocage, c'est ça. Voilà. Et les plaques de blocage, pareil, elles viennent de chez Knick TyQ, les miennes. Pourquoi Parce que j'adore le système de plaques quadrillées comme ça. C'est très pratique. Ça vous permet d'avoir des trucs bien droits, bien propres, bien nickel. Donc, moi qui ai un petit peu ce côté. Euh, un petit peu perfectionniste parfois sur, le, sur les bords, c'est nickel ça, ça c'est trop bien. Donc euh, là il y a je crois 5, 3, 5, 8 plaques, je crois, 8 ou 9 plaques, c'est très pratique. J'ai deux sacs de, de Kinita IQ, comme ça j'ai de la marge. Voilà, donc ça c'est trop bien. Doit-on bloquer aussi le vrai en coton Oui Petite question, est-ce que tu conseilles de bloquer un gilet qui est tricoté avec un fil 70% acrylique, 30% laine peignée À partir du moment où vous avez 70% acrylique et 30% laine, enfin fibre animale, dès que vous avez moins de 70% d'acrylique, bloquez. On bloque avant ou après les coutures On bloque avant les coutures. C'est très important, Michel. Hein. Euh... Trop peur de faire des trous avec les épingles. Pas d'inquiétude, les épinglantés c'est tellement fin que ça n'abîme pas ton tricot. Donc une robe de 6 mois ça devient une robe de 6 ans. Ouais, voilà, par exemple. <laughs> Pouvez-vous nous noter le nom des plaques Merci. Je le mettrai à la fin de la radio tricot dans le commentaire épinglé. Pas d'inquiétude, Cécile. Euh, et juste comme ça, je le répète, at euh, Cécile, c'est KnitaiQ, voilà. Mais je le mettrai de toute façon à la fin dans le commentaire épinglé. Ok, on enchaîne, parce qu'il y a quand même euh, des choses à voir. Hein. Autre sujet, on va voir ensemble justement l'échantillon. Une euh, chose que j'entends souvent, c'est mais l'échantillon, ça sert à rien, c'est pas utile, c'est long. Bon, <rire> alors, <rire> on va voir ça ensemble. Toutes, euh, déjà, toutes et tous les triconautes ne tricotent pas de la même façon. Je ne tricote pas de la même façon que vous. Euh, les membres de la guilde ne tricotent pas de la même façon que moi. Enfin, voilà. Beaucoup, euh, toutes les triconautes, toutes et tous les triconautes, ne tricotent pas de la même façon. Euh, on a certains ont tendance à tricoter plus lâche. D'autres à tricoter plus serré, euh, d'autres ont une technique plus souple, d'autres ont une technique qui va être un peu plus euh, irrégulière, enfin bref, il y a plein de façons. Et en tous les cas, vous ne pouvez pas garantir que euh, votre technique en tricot correspond parfaitement à celle du designer. Et pour cela, on utilise justement l'échantillon qui fonctionne comme un étalon, donc c'est-à-dire vraiment comme une, une règle à suivre. Euh, l'échantillon de tricot généralement se retrouve à deux endroits. Vous allez le retrouver sur les étiquettes de laine et sur les modèles de tricot. Attention cependant, l'échantillon indiqué sur l'étiquette de laine, c'est celui qui est défini par le fabricant avec le numéro d'aiguille et la tension par défaut. Ok Donc c'est-à-dire c'est une machine qui fait l'échantillon, qui a une taille d'aiguille et qui va tricoter l'échantillon avec bien sûr une tension... Muy bien, parfaite, parce que c'est une machine. Euh... Et donc du coup, c'est très 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 rare d'avoir le même. Autre chose, ce n'est pas cet échantillon sur cet échantillon qu'il faut vous baser. C'est bien sur l'échantillon du modèle du designer et non pas sur l'échantillon de la pelote, parce que l'échantillon de la pelote ça va vous donner une indication généralement pour savoir si vous pouvez acheter le fil, par exemple, pour changer le fil d'un modèle. Pour savoir si vous allez avoir à peu près la même chose, à une ou deux mailles près généralement, on peut se permettre de prendre le fil. Et euh, par contre, vous allez vous baser, pour tricoter le modèle, sur l'échantillon du designer. Euh... Ça va, tout. <laughs> Alors, tout d'abord... Un échantillon de tricot, ça va vous permettre de vérifier, de vous assurer que les mesures du projet sont celles qui sont bien indiquées sur le modèle. Et regardez-moi cette différence quand même entre différentes tailles d'aiguilles. Donc là, par exemple, je vous ai pris euh, des photos où vous avez un échantillon avec des aiguilles plus petites, un échantillon avec des aiguilles, on va dire, standard, et un échantillon avec des aiguilles plus grosses. Comme vous allez voir, les tailles d'échantillons n'ont rien à voir. Je vous mets ça. C'est comme le blocage, ça. Hein. Donc, vous voyez, vous n'avez rien à voir. Vous avez vraiment, avec les petites aiguilles, vous avez un tout petit carré. Avec euh, le taille standard, vous avez, je crois que c'était un carré de 5 par 5, je crois. Et après, vous avez du coup le gros carré avec euh, qui est déjà, en plus, même, regardez-moi, le rendu. Vous n'avez pas du tout le même rendu. Vous allez avoir... Vous allez avoir du coup quelque chose qui est très serré, très dense à la première photo, enfin à la première au premier carré. Vous allez avoir quelque chose de plutôt, on va dire, normal, sur, de densité normale sur la deuxième photo, vers enfin, le deuxième deuxième carré. Et après, avec les aiguilles les plus grandes, vous allez avoir quelque chose qui est très aéré, qui est beaucoup plus euh, léger, on va dire, et qui est en plus euh, plein de petits trous, parce que forcément, c'est des aiguilles plus grosses. Donc, du coup, vous avez plus de grosseur de mailles. Euh... Donc, si vous tricotez un pull, et que vous souhaitez qu'il corresponde à l'échantillon, à votre tour de poitrine, à votre stature, à votre taille de manière générale, il faut faire correspondre l'échantillon à celui qui est indiqué par le ou la designer. De cette façon, vous savez euh, que lorsque vous allez suivre le modèle, le tour de poitrine correspondra bien au vôtre. Vous n'allez pas vous retrouver avec quelque chose de plus petit ou de plus large. Euh, alors attention oui souvent je reçois la question oui mais mon échantillon il est à quelques mailles près euh, est-ce que ça le fait ou pas En fait là ça va être à vous de décider parce qu'en fait à quelques même si vous avez une maille de différence vous pouvez avoir jusqu'à 2 cm de large de différence sur un modèle à la fin c'est quand même assez important. 2 cm ça paraît rien mais sur tout un modèle ça peut être très important. Donc du coup, lorsque vous faites votre échantillon et que vous avez une différence de une ou deux mailles, si vous avez une différence de une ou deux mailles et que vous avez par exemple besoin d'avoir quelque chose qui est très près du corps, ça peut être très important en fait comme différence. Et vous allez vous retrouver avec quelque chose avec une aisance plutôt à zéro plutôt que négative. Donc, faites bien attention à ça. Il va falloir faire juste un arbitrage entre est-ce que euh, je veux quelque chose qui est du coup un peu plus grand et euh, c'est pas gênant, ou est-ce que je veux quelque chose d'un peu plus serré et c'est pas trop gênant. Euh, généralement, le plus serré, c'est un peu gênant. Donc, euh, faites attention. Voilà. En plus, comme vous le voyez du coup sur les photos, l'échantillon va affecter le tombé, le drapé mais également la chaleur du tricot. Donc lorsque vous avez des mailles qui sont plus lâches, l'air froid peut s'infiltrer plus facilement et vous risquez de ne plus pouvoir porter ce vêtement pour cette raison. Alors que lorsque vous avez quelque chose qui est très dense aussi, ça risque aussi de, de, de perdre en souplesse au niveau de votre tricot. Donc faites bien attention à cet élément. Je prends le chat. On bloque avant ou après avoir entré les fils. Là pour le coup c'est pas très important, c'est vraiment à ta convenance. Peut-on retrouver les plaques de blocage au Québec euh, Je pense que oui. On peut aussi bloquer en cours d'ouvrage pour vérifier ses mesures. Tout à fait. Ou vérifier le rendu aussi. Au contraire, l'échantillon est super important. Avant de découvrir les triconautes, j'ai failli abandonner le tricot car j'avais fait un débardeur qui était, une fois fini, deux fois trop grand pas moi qui le dis c'est céline euh, moi je tricote un carré pour faire un plaid bon, bah dans ce cas là si tu fais un plaid il n'y a pas vraiment besoin d'échantillon en effet euh, sur un ouvrage jersey plus motif on fait l'échantillon de quoi excellente question lydie on fait l'échantillon du point qui est le plus présent. Donc là, il faut faire pareil, un arbitrage. Si tu as par exemple 80% de jersey et 20% de motif, eh bien, il faut faire ton échantillon en jersey. Si le pull féminin et élégant, élégant, bah, tu fais un échantillon féminin et élégant, Matou. <laughs> Voyons, ça tombe sous le sens. <laughs> um... Loin de moi l'idée que l'échantillon ne sert à rien, mais quelles sont les solutions quand il y a une différence entre l'échantillon et une plus grande pièce Et une plus grande pièce. J'ai pas compris. J'ai pas compris la question. Doit-on bloquer l'échantillon Oui, on doit bloquer l'échantillon. L'échantillon, c'est votre pareil, c'est votre étalon. C'est lui qui va vous permettre de voir si la laine supporte bien, enfin si votre fibre supporte bien le lavage, comment elle réagit au blocage, parce que vous avez des fibres qui vont plus ou moins s'étendre. Est-ce euh, que, donc du coup, comment le point va rendre aussi après blocage Et ça vous permet aussi, bah voilà, de, 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 vous, de vérifier tous ces éléments-là. Est-ce que la couleur convient Si vous avez plusieurs couleurs pour un jacquard, est-ce que ça convient Est-ce que ça se mélange bien Enfin euh, voilà, ça vous permet vraiment de vérifier vraiment plein de choses et pas seulement la taille des mailles. Hein. Donc, oui, on bloque l'échantillon et on le bloque de la même façon que l'on prévoit de bloquer le tricot. C'est-à-dire, si tu as prévu de faire un blocage humide, c'est-à-dire le bain, la méthode du biruto, comme je vous apprends dans les formations, etc., si vous faites cette euh, technique, vous devez bloquer votre échantillon de la même façon. Si vous pensez bloquer votre ouvrage avec la technique de la pâte mouille, comme je vous apprends aussi, Pareil, vous faites votre échantillon et vous faites le blocage de votre échantillon de la même façon. Faut-il faire des échantillons pour chaque fois que nous voulons faire des bas Alors, oui, c'est vrai que le cas des petits projets pose problème. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément. Euh, enfin, alors, pas qui ne savent pas, mais plus qui qu ne vont pas faire les, les échantillons des petits projets parce que le temps que vous tricotiez la chose, euh, le bas, vous allez vous retrouver en fait avec quelque chose. Oui, Matou de Marie B. J'ai le commentaire de Marie B. Voilà donc euh, alors je vous explique comment faire. En fait en effet la plupart des personnes pensent que c'est pas utile de faire un échantillon pour les petites pièces et je suis assez d'accord parce que c'est vrai que c'est très long. Vous allez par exemple tricoter 10 cm de chaussettes pour 10 cm de large ça vous fait quasiment la jambe. Donc voilà ce que je propose. Parce que je sais que c'est long, parce que je sais que c'est hyper relou euh, de faire l'échantillon et que c'est. Voilà, il y en a qui ont envie de tricoter tout de suite. Donc, voilà ce que je propose aux élèves dans les formations. Ce que je vous propose, c'est de tricoter en fait votre chaussette. Et au bout de 10 cm, vous vérifiez la taille de votre échantillon. Donc, vous tricotez votre jambe, vous commencez votre chaussette normalement, vraiment tout à fait normalement. Vous regardez après au bout de 10 cm, ou même un peu moins, 5 cm, voilà. 5 cm, vous regardez et vous regardez le nombre de mailles que vous avez pour 5 cm de large et 5 cm de haut. Ça va vous permettre d'avoir une idée approximative de l'échantillon que vous allez avoir pour 10 cm de large et de haut. Ça vous permet de vous éviter d'avoir à tout détricoter parce que vous êtes aperçu en fait que la chaussette que vous êtes en train de faire c'est une taille 6 ans au lieu de faire une taille 41. Euh, et en même temps, ça vous permet du coup d'avoir quand même un semblant d'échantillon. Donc vous commencez votre chaussette, vous faites votre chaussette normalement et au bout de 5 cm avec votre maître de couture, vous vérifiez un petit peu quand vous étirez un peu les mailles sans le bloquer, etc. Si vous n'avez pas envie de le faire pour le bonnet ou la chaussette, chose que je comprends parce que ce sont des tout petits de tout petits modèles. Vous le faites, vous étirez légèrement comme si vous le portiez en fait et vous regardez, vous comptez les mailles à peu près pour avoir une idée approximative de ce que vous allez avoir. Ça vous permet de vous éviter les mauvaises surprises et en même temps, vous faites plus ou moins votre échantillon. Voilà. C'est un bon d'entre deux. Oh. Lorsqu'on fait un échantillon pour un tricot, peut-on le garder pour un autre tricot si c'est la même laine ou faut-il le refaire à chaque ouvrage C'est une très bonne question, Marie-Christine. Alors, il faut savoir que notre tension évolue. Au fur et à mesure que vous tricotez, vous développez vos compétences en tricot et vous allez avoir en fait une, votre tension qui va se régulariser, ou se tendre, ou se relâcher, en fonction, ça dépend. Moi par exemple, au fil des années, ma tension s'est relâchée un petit peu. Je tricotais très 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 serré, et au fil de la mesure, elle s'est détendue. Donc, je pense que c'est assez important de faire... Si par exemple, tu, tu enchaînes directement un tricot avec un autre, euh, avec la même laine, tu peux te dire, bah ça va, il y a peu de chances que ça ait beaucoup évolué, tu peux partir sur à peu près le même échantillon. Mais si ça fait plusieurs mois ou alors que ça fait plusieurs mois que tu as fait un modèle, si j'étais toi, je referais l'échantillon pour vérifier que tout va bien. Ou alors tu fais le même système que la chaussette. Tu commences à tricoter sur 5 cm, tu regardes à peu près, est-ce que ça fait à peu près la même chose Et si c'est bon, tu continues. Est-ce que l'on peut retricoter la laine bloquée de l'échantillon pour l'ouvrage Oui. On est obligé de faire l'échantillon en 10-10 parce que moi. Pff, ben voilà, tu fais la technique du 5 cm comme que je viens de donner, Lydie. Si on veut faire des ouvrages avec des torsades, est-ce qu'on doit faire des échantillons avec les torsades Oui, 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 oui. Parce que les torsades, ça va resserrer ton échantillon, donc oui. Vous pouvez expliquer pourquoi faire un échantillon pour un châle ou une étoile qui ne sont pas. Et du corps. Alors, justement, j'allais dire l'échantillon pour les châles et les étoiles, généralement, c'est pas très grave de ne pas les faire. Voilà, donc c'est les seuls modèles où je vous dis ça va si vous les faites pas. C'est juste qu'en fait, vous allez consommer plus ou moins de laine en fonction. Euh... Allez, on enchaîne! Tricoter à plat, c'est moins bien que tricoter en rond. Alors là, ça, c'est mon petit truc à moi. Euh, J'entends souvent dire que le tricot en rond, c'est trop bien, etc. Alors, je suis d'accord, je euh, design énormément de modèles en rond et je design quasiment plus de modèles tricotés à plat. Malheureusement. Pourquoi je dis malheureusement euh, En fait, le tricot en morceaux à des avantages que le tricot en rond ne possède pas. Je ne suis pas en train de juger les personnes qui tricotent en rond. Hein. Je tricote en rond, je design en rond, enfin voilà, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que je trouve dommage que le tricot à plat soit un peu euh, boudé parce qu'il y a les coutures à faire. Ce que je, je, je comprends, il y en a qui vraiment n'aiment pas les coutures et il n'y a pas de problème. Mais euh, l'avantage du tricot en morceaux, alors il y a des avantages et des inconvénients que le tricot en morceau a par rapport au tricot en rond, que le tricot en rond n'a pas. Par exemple, le tricot en rond a tendance à tourner sur vous, donc vous allez avoir cette sensation que le tricot, le pull par exemple, va tourner, et il va être très équilibré, il va être un peu déstabilisé. Pourquoi ça fait ça Ça fait ça parce que le tricot en rond n'a pas de couture, donc vous, généralement on va placer des fausses coutures, mais c'est jamais tout à fait pareil, enfin, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, Matou Les fausses coutures Oh oui, pas faux, oui. Hop. Voilà. Je prends une nouvelle page. Voilà. T'as raison, Matou. T'as raison, cerise. C'est plus visuel. Alors, quand vous avez en fait un tricot en rond, Voilà. Vous avez avoir parfois cette sensation que le tricot il fait comme ça. Ça, ça tourne un peu quand vous le mettez. Enfin, c'est pas très, c'est pas stable, voilà. Vous avez une sensation de déstabiliser vraiment, de déséquilibrer plutôt même. Déséquilibrer. Donc ça c'est en rond. Je viens, de faire je, viens de, je viens de me prendre compte, mais j'ai utilisé les mêmes euh, couleurs que mon pull à la carte édition circulaire et édition euh, droite. <laughs> j'ai pas fait gaffe, enfin, c'est pas fait exprès. Et lorsque vous tricotez à plat, donc vous n'avez pas ce problème de, de tricot qui tourne, parce qu'en fait, vous avez les sacro-saintes coutures qui sont si embêtantes, qui sont là et là. Mais pas que, vous les avez aussi, du coup, ici, là. Et là. Et là. Et ça, ça va venir stabiliser votre tricot. Vous n'allez pas avoir ce problème de tricot qui tourne parce que vous allez avoir vraiment les coutures qui vont tenir le tricot et qui vont lui donner de la structure. Ça va venir donner de la structure à votre ouvrage, vraiment à proprement parler. Alors, généralement, pour éviter ce problème de tricot qui tourne, là, pour le tricot en rond, j'étais en train de dire que généralement, on va vous dire, pas tout le temps, parce que c'est quelque chose aussi qui est assez euh, visible, on va vous dire de placer en fait des fausses coutures. Donc, une fausse couture, c'est quoi C'est en fait une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit. Voilà, c'est ça une fausse couture. Donc, c'est pas vraiment une fausse couture, c'est en fait tout simplement euh, un point en vert qui a été placé euh, sur le côté euh, pour donner une illusion de fausse couture. Et ça va vous ajouter du coup, on va vous, ajout... on va vous faire ajouter, pas tout le monde, hein. moi par exemple je ne fais pas ajouter ça, mais euh, vous allez ajouter ces fausses coutures sur les côtés en tricotant simplement du coup une maille en verre au niveau de chaque côté afin de stabiliser l'ouvrage. Ça va vous permettre d'éviter un peu qu'il ne tourne. Comme certains ou certaines triconautes l'ont déjà peut-être remarqué. Euh, mais je trouve que c'est pas, pas vraiment ça. Ça évite pas vraiment le problème. C'est un peu mettre un pansement sur une jambe de bois. Hein. Donc c'est pas optimum. L'avantage aussi de la construction du tricot à plat. Euh, donc forcément c'est cette présence de couture. Car vraiment ça va venir stabiliser votre tricot. Mais pas que. Ça le rend aussi plus durable. Et oui vous avez les coutures aux endroits clés, qui sont des endroits d'usure, comme ici et ici, qui sont les endroits où vous allez, par exemple, porter vos sacs, porter les sacs à dos. Ici, c'est là où tient le tricot, les épaules, hein, votre, votre tricot, il fonctionne avec la gravité, en fait. Donc, quand vous portez votre ouvrage, l'endroit où ça va s'user en premier, c'est les épaules, parce que c'est là où votre tricot va... Tenir en fait. C'est à cet endroit que vous tenez votre, votre tricot, que le tricot tient sur votre corps. Et c'est à cet endroit que ça va s'user le plus vite. Donc forcément, c'est souvent là que euh, les tricots en rond lâchent en premier, ou vont commencer à pas gondoler, mais vous allez voir un peu une sorte d'usure très légère de la maille qui va s'affiner très doucement. Et c'est là généralement où ça commence à lâcher en premier. Il euh, ben, Faut vraiment le porter, mais bon, voilà, c'est généralement à cet endroit-là que ça va lâcher. C'est pour ça que euh, vous avez beaucoup de modèles, euh, par exemple, qui sont tricotés en bottom up, qui est un peu une euh, bottom up. J'ai fait une, une une flèche, mais bon, bottom up tricoté dans ce sens-là. Euh, quand vous avez un tricot tricoté en bottom up, l'avantage, c'est que vous allez au moins les coutures à ces endroits-là, donc qui sont vraiment les endroits euh, clés. Euh, vous avez les, 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 les coutures qui sont là et souvent là aussi, pas tout le temps, mais parfois, qui sont au moins, au moins on a ça. Voilà, on n'a pas les côtés, donc ça risque de tourner, mais au moins on a euh, les coutures aux endroits clés qui vraiment sont euh, les endroits où ça va le plus s'user. Euh... Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le tricot à plat. C'était mon petit, euh, mon, euh, mon hommage, mon, ma, ma, mon ode. Mon ode au tricot à plat. Bah alors Catherine, tu es d'accord toi aussi Tu préfères le tricot à plat Oui. Qu'est-ce qu'elle a Elle grogne C'est les dents qui la travaillent T'as as le calmosine... Euh... Ok. Allez, je prends le chat et on passe à la suite. Suite, suite c'est les dents qui la travaillent, pauvre bébé. Alors, ma tension change légèrement selon mon état de fatigue. Ben là, dans ce cas, c'est vrai que c'est important de refaire régulièrement des échantillons. Je préfère le tricot à plat. Il y a des cols qui ne peuvent pas être faits en rond, c'est vrai. J'adore le tricot à plat, je préfère le tricot à plat. C'est vrai que j'aime pas faire les coutures, mais en plus je trouve que les coutures ça bloque le tricot qui est moins extensible pour les petits, notamment c'est mieux en rond. Alors je comprends ce que tu veux dire, Zéline, surtout à ce niveau-là, parce que c'est souvent à ce niveau-là au niveau des aisselles que ça pose problème, parce que en fait vous allez faire votre, vos coutures et à la fin vous allez mettre l'ouvrage et là ça bloque. C'est souvent à cet endroit-là que ça bloque. Vous avez pour ça. Alors Zéline, il me semble que tu l'as, hein, mais dans la formation non plus à la carte édition aiguille droite et édition aiguille droite seulement. Vous avez une petite astuce qui s'appelle l'astuce du diamant magique que je crois que j'ai partagé également dans Morpho Plus pour le coup, qui est une une astuce qui vous permet d'ouvrir légèrement et d'augmenter cet endroit gênant lorsque vous allez faire des coutures et lorsque vous apercevez en fait que c'est trop petit. Voilà, donc euh, l'astuce du diamant magique pour les triconeuses qui ont la formation Morpho Plus et mon plus à la carte édition E droite, euh, vous allez la retrouver dans euh, le chapitre qui s'appelle SOS Adaptation, je crois, ou SOS Ajustement. C'est la meilleure astuce du monde. Je l'ai utilisée sur 3 ou 4 pulls, je crois. J'adore tricoter en morceaux et j'adore les coutures. <laughs> Un tricot en rond, est-ce qu'on peut le tricoter avec aiguille droite Oula, non. Et ah, du coup, on s'y prend comment avec le patron? Alors, euh, alors, ce que tu veux dire, je pense, Lydie, c'est est-ce qu'on peut adapter un modèle tricoté en rond pour le tricoter en morceaux Oui, c'est possible. Et je l'explique dans euh, ma, mes formations tricot expert et aussi euh, dans. Euh, on crée un pull à partir d'une photo. Je vous explique comment on fait pour transvaser et convertir le modèle parce que c'est assez long de le faire. Et euh, j'explique comment le faire étape par étape. Je, Je ne connaissais pas l'expression pansement sur une jambe de bois. <laughs> et ben voilà. <laughs> Tricoter à plat m'a personnellement amené à perfectionner mes réalisations en couture. Je suis d'accord, Maïta, et par exemple j'ai commencé avec le tricot à plat pendant un sacré moment, et euh, ça m'a pas traumatisée. Pour les dents, ma fille a les bâtons de réglisse. Je suis pas sûre qu'on trouve de la réglisse ici en Roumanie, mais je chercherai. Merci Céline. Je tricote trop lâche à l'envers. Ça va, j'ai les deux formations, tu en avais parlé dans une minute tricot qui renvoyait à la formation Morpho Plus. Bah voilà, comme quoi. Euh... Allez, on enchaîne! Euh, alors, l'autre, euh, enfin, la dernière phrase que je reçois souvent, qui est pour le coup, moi, pas une sottise, mais bon, c'est euh, dommage, on va dire, c'est un acte manqué, je préfère dire, euh, c'est les phrases du style ⁇ Je connais déjà tout en tricot <laughs> ⁇ Alors, pourquoi je trouve que c'est dommage Je vais vous expliquer tout ça. Alors, déjà, je vais vous dire un secret. J'ai tourné 600 vidéos en tricot réalisé 20 formations. Je tricote depuis plus de 10 ans et je suis ravie de vous annoncer que je ne connais pas tout. Euh, j'ai au moins 5 techniques aujourd'hui dans ma liste d'apprentissage, dont une que j'ai découverte la semaine dernière et que je vous proposerai d'ailleurs en live créatif tout bientôt. Euh, pour vous dire, on ne connaît jamais tout. C'était une phrase de Socrate, je crois, qui disait que... Euh, Oh, quelle tristesse les gens qui pensent qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Quelque chose comme ça. C'était euh, une phrase, euh, une phrase euh, dans ce style-là. Et euh, avant d'aller plus loin, j'aimerais euh, vous parler des quatre étapes de l'apprentissage. Vous connaissez certainement, ou vous avez déjà entendu parler au moins une fois, euh, de la pyramide des besoins de Maslow. Au cas où je vous la remets, elle est là. Voilà. Donc la pyramide des besoins de Maslow, c'est ça. C'est euh, une pyramide des besoins de base. Donc vous avez à la base de la pyramide les besoins essentiels qui sont les besoins physiologiques, donc respirer, manger, boire, euh, dormir, etc. etc. Ensuite, au-dessus, vous avez le besoin de sécurité, donc euh, sécurité du corps, sécurité de l'emploi, sécurité de la morale, de la famille, de la santé, etc. etc. Ensuite, juste au-dessus, vous avez... L'amour, l'appartenance, donc avoir des amis, avoir une famille, etc., etc. Vous avez ensuite, un peu plus haut, les besoins qui deviennent petit à petit moins essentiels, enfin, qui sont essentiels, mais qui, en fait, euh, ne peuvent être remplies que lorsque les bases euh, en dessous ont été remplies. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin, entre guillemets, de vous concentrer sur l'estime de vous-même quand vous êtes au milieu de la jungle sur une île déserte que vous n'avez rien à manger, rien à boire. Donc généralement, vous allez d'abord gérer le problème de l'eau mangée et après, vous allez euh, gérer la sécurité, donc pas vous faire manger par le premier tigre à dents de sabre venu. Euh, ensuite... Vous allez avoir les besoins de famille, amitié, etc. Et après, vous allez passer aux besoins d'estime de soi, confiance, réussite, respect des autres. Et enfin, ce qu'on appelle l'auto-actualisation, qui correspond à la créativité, la spontanéité, la résolution euh, des problèmes, l'absence de préjugés, etc. etc. La, la seule chose que... De Socrate ouais. euh, La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc merci, Matou. En effet, c'est bien mieux. Mais euh, merci beaucoup. Alors, en gros, du coup, ce que vous devez retenir de cette pyramide, c'est que c'est une représentation des besoins nécessaires à notre vie, notre bonheur. Les besoins les plus basiques sont en bas, et les besoins plus élevés viennent seulement une fois que les besoins de base sont remplis. Donc vous ne pouvez pas atteindre la, le haut de la pyramide s'il manque la base. Euh, donc, en gros, pour illustrer avec le tricot, vous n'allez pas tricoter si vous avez besoin de remplir le besoin primaire de manger ou de dormir. Voilà. Donc, euh, typiquement, comme je disais, le cas de l'île déserte, vous êtes une île déserte, la première chose que vous allez faire, c'est pas de chercher des aiguilles et du fil. <laughs> c'est chercher à manger et à boire. <laughs> et ensuite, vous allez passer aux besoins de créativité qui sont le tricot, par exemple, les autres activités créatives, etc. etc. Donc, Maslow, il n'a pas fait que cette pyramide, il a aussi fait les quatre étapes de l'apprentissage, que je vais vous montrer tout de suite. C'est génial ça. Ça c'est génial. Ça se à chaque fois. Euh, Matou, il adore. Il Quand, a... le, le, le... Quand t'as appris le sartorialisme, ah, tu t'es fait piéger. Ça, hein. terrible. Ah mais, mais pareil, en tricot, c'est pareil pour moi. Hein. Donc, euh, regardez ça. Donc, voici les quatre étapes de l'apprentissage. Boum. Donc, les quatre étapes de l'apprentissage. Je ne voulais pas trop rentrer dans la pyramide des besoins, tant pis, c'est fait. Euh, mais je voulais vous parler surtout des quatre étapes de l'apprentissage qui ont aussi été créées euh, par Maslow. Ici, Maslow a voulu montrer comment chacun évolue lorsque l'on apprend une nouvelle compétence. Donc, lorsque je l'ai découvert, j'ai trouvé que ça s'appliquait parfaitement bien au tricot, car la progression dans le tricot repose sur l'apprentissage des techniques qui nécessite à la fois de la précision, des compétences et de la répétition. Donc on va voir ensemble les étapes. Première étape, l'incompétence inconsciente. Donc c'est le truc tout en haut à gauche. Ou je ne sais pas que je ne sais pas. À cette étape, tu ne sais pas précisément ce qui pourrait te permettre de progresser. Ça correspond pas forcément à un état d'esprit satisfaisant ou insatisfaisant. Tu peux pas être juste tout à fait satisfaite de ton niveau actuel ou au contraire déçue de ne pas avancer plus vite. Une seule chose est sûre. Euh, c'est que euh, tu n'as pas de moyens précis de progresser à ce stade. Le, le piège qui sera à éviter à cette étape, c'est que beaucoup de triconautes ne savent pas vraiment ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire pour progresser. Euh, et elles vont souvent, ils ou elles vont souvent se, se lancer dans des projets un peu monotones et sans objectif techniques précis. Et ça va souvent conduire à un résultat qui va être un peu décevant. C'est pour cela que j'ai inclus dans mes programmes souvent un plan d'action à suivre et que je les ai structurés précisément afin que vous puissiez être guidé au fur et à mesure de façon logique avec une difficulté croissante. Euh, deuxième étape, donc en haut à droite l'incompétence consciente ou je sais que je ne sais pas cette étape peut être un petit peu décourageante pourquoi parce qu'il y a un écart entre ce que vous savez intellectuellement et ce que vous pouvez faire concrètement à cette étape vous êtes surtout conscient et consciente de vos lacunes de vos des trucs qui vous manquent ça peut être assez frustrant cette étape le piège à éviter à cet endroit ça va être euh, d'éviter d'aller trop vite. Euh, vous allez mettre en application un nouveau point technique, ça, va, ça suppose de prendre du temps, euh, ça suppose aussi d'être concentré sur les sensations, sur les nouvelles techniques à apprendre. Et il vous faut donc prendre le temps de tricoter, mettre beaucoup d'applications dans les projets tricotés et dans les éléments techniques que vous pourrez croiser à cet endroit. C'est pour cette raison que, euh, par exemple, dans mes programmes, dans les, dans les formations, il y a des tutos vidéo techniques précis sur les éléments les plus importants à voir, par exemple le taux de mise en forme d'un châle pour un tombé parfait, les coutures, décrypter un modèle, etc., qui sont vraiment des étapes, qui sont des toutes petites étapes, mais qui sont des étapes très importantes à euh, faire et à respecter. On va passer à la troisième étape, qui est l'étape en bas à droite, qui est l'étape la compétence consciente, où je sais que je sais. Là, c'est une, souvent une étape qui est plutôt agréable. On commence à maîtriser un peu la technique, on commence un peu à maîtriser les compétences techniques, mais la progression est loin d'être terminée. <laughs> c'est au contraire à cette étape qui sera généralement la plus longue. Par exemple, si vous avez euh, déjà utilisé une façon de faire euh, les talons de chaussettes et que vous êtes fixé dessus, il vous faudra alors du coup désapprendre la technique et remplacer par une nouvelle technique pour tester autre chose et découvrir avoir un nouveau challenge. Euh, ça sous-entend aussi euh, euh, de, ça sous-entend aussi ça demande surtout du temps, ça demande de la répétition etc. Le piège à éviter à cette étape donc à cette troisième étape ça va consister à rester fixé sur une seule et même façon de faire donc c'est le piège à éviter à cet endroit. Euh, c'est une erreur assez courante à ce stade. Pour passer à l'étape suivante, il va vous falloir que vous acceptiez de, vous mettre, de remettre en question les techniques que vous utilisez tout le temps, que vous adorez, par, euh, par gain de temps parce que vous les maîtrisez. Donc par exemple, je pense euh, à une nouvelle façon de monter les mailles, une nouvelle façon de rabattre les mailles. Et euh, c'est pour ça que dans les programmes que je fais, dans les formations que je propose, j'essaie toujours de vous proposer différentes façons de faire les points techniques, augmentation, montage, rabattage, afin que vous puissiez justement développer encore plus vos compétences et ne pas rester bloqué sur une seule et même technique à la fois. On passe à la quatrième étape, la dernière, la compétence inconsciente. Je ne sais pas que je sais. Vous êtes désormais capable, normalement à cette étape, d'appliquer de nouvelles techniques de façon assez naturelle, assez inconsciente. Arrivé à ce stade, l'apprentissage du tricot est beaucoup plus solide et vous pouvez euh, considérer l'élément technique que vous avez développé comme... Acquis. Euh, il devient alors possible du coup d'apprendre de nouvelles choses et de réfléchir à ce que vous ne savez pas encore tricoter. Ici, le piège à éviter, eh, bonne nouvelle, il n'y en a pas. Euh, généralement, ici, on peut juste savourer ses progrès et passer à la suite. Mais quand vous êtes à la compétence inconsciente, c'est jamais fini. Ce ne sont que des étapes qui ne font que se répéter. Par exemple, incompétence inconsciente, là de la technique que je suis en train de vous, de vous parler, que j'ai découvert la, la semaine dernière. Je n'étais pas, pas du tout au courant de comment elle fonctionnait. Donc je me suis renseignée, j'ai développé un petit peu les techniques, je me suis entraînée pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Là, je dirais que je suis du coup euh, plutôt à incompétence consciente. Je sais que je ne sais pas. Et je vais... Bon, mon objectif, c'est d'arriver jusqu'à compétence inconsciente pour pouvoir vous apprendre tout ça en live créatif. Voilà. Est-ce que c'est clair? Dites-moi dans le chat. <laughs> Dis-moi, Matho. Moi, bon, ce qui est ridicule, c'est savoir, en fait. Oui, ce qui est ridicule, c'est les gens qui pensent savoir et qui ne savent pas qu'ils ne... Qu ne savent pas. du coup. Ça, et, en plus, haut, et en plus, ils te prennent de haut. Mais bon, ça, voilà. Euh, moi, ce que j'aime, justement, c'est apprendre de nouvelles choses et partager. Bah, ça, c'est chouette. Hein. Euh, on a toujours à apprendre depuis que je tricote avec les formations de JNL. Oh, c'est cool, merci, Katz. Je sais qu'on ne sait jamais. Jean, -Jean Gabin. J'ai enseigné le tricot il y a 40 ans et j'en apprends encore. J'adore. Eh ben ça, c'est cool. Sur une île déserte, tu cherches un mouton, tu auras de quoi manger et de quoi tricoter. Simple, efficace. J'ai une aile sur une île déserte avec des lions. C'est du vécu Non. Dieu merci, non. Euh. Très bien, les tutos techniques, c'est ce qui m'a fait progresser pour mes chaussettes. Sortir de sa zone de confort. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En résumé, passer sa peur de l'inconnu. Oui, mais pas que. Parce que tu vois, tu passes la peur de l'inconnu, mais en même temps, tu te challenges sur les choses que tu ne connais pas et tu remets en question ce que tu as appris. Euh... Ces schémas et méthodes s'appliquent dans tous les domaines, c'est très utile. vrai, ça s'applique pas que dans le tricot, hein, c'est là ce que je vous ai dit. Hein. On l'a vu dans le domaine du tricot, mais ça s'applique pas que dans le tricot. Ok, bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pas tarder à se laisser. On a vu pas mal de choses aujourd'hui. J'espère que ce, cette radio tricot vous a plu. Euh, et pour le modèle des, du mois prochain qu'on travaillera en live créatif, eh bien, vous savez quoi je vous le montrerai mardi. Donc euh, venez mardi à 15h, française. Et je vous montrerai le modèle qu'on va faire euh, le mois prochain pour septembre. Bon, eh bien écoutez, je pense que je vais vous laisser. Ça m'a me, ça me fait plaisir de faire cette radio-tricot avec vous. C'était bien chouette. J'ai bien ri. Et écoutez, euh, je vais vous laisser. Non, pas de VIT parce il euh, y a Petite Lionne qui s'impatiente. Donc du coup, euh, je vais vous laisser. Et on va se dire à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle radio tricot. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao